Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette du bourek à la viande hachée. Le fameux bourek, la star de la table algérienne. C'est une entrée incontournable pendant le mois de Ramadan qui accompagne la chorba. Avec une farce à ma façon, vous allez voir, c'est irrésistible. اليوم راح نحضر لكم ان شاء الله وصفه تاع البوراك بالفيونداشي ولا باللحم المفروم. راح ندير لكم الحشوه بطريقتي الخاصه, حشوه بزاف بنينه على بالي تولي ما تستغنوش عليها. On dit bismillah et on va commencer tout de suite la recette. Pour préparer le bourek, vous allez voir, c'est très simple. On commence d'abord par la farce. باش نحضروا البوراك كيما على بالكم نبداو بالحشوه. Dans une poêle, on met l'huile, fim qlandir zit. Je rajoute l'huile anti-éclaboussure, vous pouvez mettre une noisette de beurre. Nzid had nwaya ta zit, ila ma antkom chdiru morceau ta zbda. Je mets un oignon émincé, ndir habba bsal mqta'a. Je fais revenir l'oignon, nqallil bsal ta'na. Je rajoute de la viande hachée. Nzid l'kifta. Je mélange un peu, nkhallat chouïa. Ensuite, je mets le sel, ndir el melh, le poivre noir, le filfil le khel, de la cannelle, le qarfa. Et quand la viande est bien saisie, on rajoute deux petites cuillères de crème fraîche. Ou kil ham nhassouh belli tab, nzidou zouj mghirfat sghar ta al krima tazija, la crème fraîche. On éteint le feu quand il n'y a plus de sauce dans notre farce. Tafiou nar ki tchoufou bli la farce nchfet mlma taha. Dès qu'on éteint le feu, on rajoute un œuf et on mélange bien. Ghir tafiou nar nzidou habba bid fouq lhachwa tana w nkhaltou mlih. Ça va donner un côté super moelleux à notre farce. Habbet lbid trja lham bzaf tri. Ensuite, on rajoute le persil, nzidou l'ma'adnous. Je rajoute quelques portions de la vache kerry. Ici, j'en ai mis 6. Ou douka zit sta habat ta fromage la vache kerry. Je les écrase bien avec le dos de la cuillère. Nkrasihom mlih bdhar ta lmghirfa. Notre farce a bien refroidi. Lhchwa tana bardat. Je lui rajoute des olives vertes coupées en petites rondelles. Zidlhom zitoun khdar mqatta al douwayrat. Je mélange bien. Et là, on commence notre préparation. Je prends des feuilles de briques. Ndjib warqat ta dioul. Je commence par disposer de la farce en bas, au milieu de la feuille. Dandir l'hushwa miltahta fi wust l'warqa ta'adjoul. Si vous êtes une famille nombreuse ou si vous allez recevoir des invités, je vous conseille de couper la feuille de brique en deux. Comme ça, ça ne va pas vous prendre beaucoup de farce. En plus, ça va vous faire beaucoup de bourek. Idantouma aïla kbira Allahi barik. ولا راح نستقبلوا الضياف ننصحكم تقسموا ورقة الديول على زوج هكا باش ما تاكل لكمش بزاف الحشوة اون بلوس دو سا تجيكم بزاف حبات تاع الديول دو فروماج سور لو لون دو لا فارس نزيد الفرماج قدام الحشوة Je replie la feuille sur les côtés, نقلب ورقة الديول على الجوانب, puis je la replie sur la farce pour former un rectangle. On بعد نقلبها على الحشوة باش نتحصل على مستطيل. Je tiens, je serre un peu et j'enroule en gardant cette forme de cigare. نشد مليح ونزير غير شوية باش نتحصلوا على شكل تاع السيجار. Je refais la même opération pour les autres bourak. Ndir nafs l'amaliya ma'al bourakat l'okhrin.
Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser des samsa ou burak en forme de triangle. Ou du cas, je vais vous montrer comment faire le samsa ou le burak à la forme mutallat. Je prends la feuille de brique et je la coupe en deux. Je prends la feuille de brique. Je la replie sur deux, je mets un petit peu de farce, juste un petit peu de rire, et je l'enroule en serrant un petit peu en gardant la forme de triangle. À la fin, le petit bout restant, on le met dedans comme une enveloppe. Je continue à faire des samsa jusqu'à épuisement de la farce. À la fin, on fait frire nos bourak dans une huile chaude. Et pour ceux qui aiment manger léger et n'aiment pas la friture, vous disposez vos bourak sur une plaque allant au four et vous badigeonnez toute la surface de beurre fondu au beurre clarifié à l'aide d'un pinceau et vous les mettez dans un four chaud à 180 degrés. Et à mi-cuisson, retournez-les et badigeonnez de nouveau l'autre face et laissez dorer. واللي يحبوا ياكلوا خفيف وما يحبوش القليان ديروهم في سنيوة اللي تدخل للفور ادهنوهم كامل بالزيت شوية دايبة بالبانسو تاعكم وفي نص طياب ما تنسوش تقلبوهم ديروهم في فور سخون على 180 درجة On les fait frire les deux côtés et c'est prêt quand ils sont dorés à souhait. طيبوهم للزوج جهات ودوكا اذا حبيتوهم بزاف دوري خليوهم شويه مي اتونسيون ما لازمش ينحرقوا سينو تقدروا كاين اللي يحبوهم كلار دونك هذه هي المرحله نتوما كيفاش تحبوا البوراك تاعكم جو كونتينيو الي فير فرير اي جو ريفيان فير فو اون فوا بري نكمل نطيبهم كامل ونعاود نولي ليكم Voici le résultat final de nos burak à la viande hachée avec une farce irrésistible à ma façon. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes nouvelles recettes. À très bientôt! هذا هو الشكل النهائي تاع البوراك باللحم المفروم ولا البوراك بالفيونداشي ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم ان شاء الله الحشوه تاعي تكون عجبتكم انا نحبها بزاف ونستعملها بزاف سورتو في الفيونداشي اذا عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا يلحقوكم كامل لي غوسات تاعي وحاجه ثانيه راح باذن الله تعالى ندير لكم كامل انواع تاع البوراك ان شاء الله بربي في الايام المقبله نعطيكم موعد في فيديو اخر ومع اللي غنقول لكم السلام